bienvenue ici au 9e ciel bar restaurant à Paris pour ce premier épisode, épisode pilote de Salle Causeur, 100% sur le web et 100% série. Alors bien sûr on va vous parler de série, mais je ne suis pas seul et c'est Elodie qui va vous présenter l'équipe et l'invité. Bonjour Tom, bonjour tout le monde. Donc nous avons deux chroniqueurs pour nous accompagner pour ce pilote. Donc tout d'abord nous allons présenter Aurélie, plus connue sous le nom de The Girly Geek. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et nous avons aussi Romain, plus connu sous le nom de Romain, qui lui est journaliste pour Première et Metro News. Donc bonjour Romain. Bonjour Elodie. Et pour commencer, pour essuyer les plâtres de ce pilote, nous allons vous présenter notre invité qui sera aussi le parrain de notre émission. On ne le présente plus, hein, vous le connaissez tous, vous l'avez déjà tous lu et tous entendu sur Season 1. Voici Alexandre. Bonjour Alexandre. Ou pas, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci à vous. Donc pour ce premier épisode pilote, nous allons parler bien sûr de la rentrée série. Et c'est Aurélie qui va s'y coller pour nous faire le briefing de la rentrée série. Alors, comme chaque année, les chaînes américaines nous bombardent de nouveautés en espérant que dans l'eau, un des shows devienne culte. Alors évidemment, il y a eu les séries très attendues comme Gotham, Flash ou To Get Away with Murder, celles qui ont été une agréable surprise comme Blackish, et bien sûr les séries qui ont divisé, voire carrément déchiré les sérivores comme Bad Judge ou Forever. Donc qui a plébiscité la tendance des super-héros, qui a préféré s'en tenir aux sitcoms ou aux comédies romantiques, c'est le moment d'en débattre. Pour commencer, nous allons nous tourner vers notre invité, donc Alexandre. Mmh. Quelle est pour toi la série, la nouveauté qui t'a marqué en cette rentrée? En bien ou en mal? En bien, on va commencer. En bien, moi j'ai été emballé par Gotham, dès le pilote, malgré tout ce que tout le monde a pu en dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'il y avait trop de fanservice, voilà, moi ça m'a bien plu. Et puis How to Get Away with Murder, a priori, Shonda Rhimes depuis Scandale arrive à plutôt me surprendre, alors qu'en fait avant j'étais complètement hostile. Alors Gotham, est-ce que pour toi le pilote est vraiment représentatif des deux épisodes qui suivent? Bah, en général, ceux qui disent qu'ils n'ont pas aimé, ils disent que justement on retrouve dans les épisodes 2 et 3 ce qu'on avait retrouvé dans le pilote. Alors il y a peut-être un peu moins de fanservice. Moi ça m'a bien plu, après tout on est dans Gotham, Gotham c'est une série sur Batman, si on ne mentionne pas les personnages qui tournent autour de Batman, on rate le truc quoi, donc il faut présenter le pingouin, il faut présenter Bruce Wayne, il faut présenter tout le monde quoi. Oui, enfin le... Vas-y, non, ouais. Le pilote c'est un petit peu aussi un catalogue de tous les méchants de Batman et la plupart ils servent pas à grand chose, c'est-à-dire on les voit voilà mais bon. Bah, comme tu l'as dit c'est un pilote, donc un pilote ça sert à présenter un univers et on est dans un univers qui est celui de Batman, de Gotham, de Batman. Qui est calibré. Si on l'avait pas fait, tout le monde aurait dit il en manque. Ouais, mais ils peuvent les introduire au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'était histoire de mettre tout le monde, mais à part le pingouin qui, voilà, je trouve qu'il était très charismatique et qui était intéressant, le reste, voilà, à côté, c'était pas forcément utile de tous les mettre dès le premier épisode. Moi, je suis d'accord un peu avec vous deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Gotham, son pilote et ses deux autres épisodes. Ensuite, ils auraient peut-être pas dû introduire tous les personnages de façon assez forcée, on va dire, parce que par exemple, Poison Ivy, normalement, elle s'appelle pas Ivy, et ils l'appellent Ivy dans la série. The Riddler, Enigma, je crois son nom en français, il apparaît 3 secondes et c'est pas forcément utile. Après, au-delà de ça, les personnages ils sont assez intéressants, ils sont bien écrits, notamment le pingouin ou même James Gordon. Et je pense que le problème des personnes qui n'ont pas aimé Gotham, c'est qu'ils s'attendaient à une version Nolan, je pense, assez sombre, assez réaliste. Et au final, Bruno Heller va plus vers un côté, peut-être pas Tim Burton, mais un côté plus cartoonesque, plus extravagant, qu'on retrouve d'ailleurs dans le personnage du pingouin et dans les ennemis de James Gordon. Et puis on est sur un network, enfin, il faut satisfaire aussi un public qui ne connaît pas. Je trouve ça assez sombre quand même. C'est sombre, mais c'est pas le sombre de Nolan, c'est pas le sombre réaliste, c'est le sombre un peu cartoonesque, un peu extravagant. Mais il y a un très bon univers quand même qui est présenté. L'univers est très bien là-dessus. De toute façon, quitte à me mettre à dos les fans de comics qui nous regardent, je pense que de toute façon, dès le départ, il y a toute une catégorie de personnes qui avaient décidé que Gotham serait raté et que ça n'allait pas satisfaire les fans de Batman. Donc déjà, ceux-là, ils sont perdus dès le départ. Et le grand public qui connaît pas The Riddler. Enfin, moi, je vais être très honnête, il y a des personnages dans la série que je ne connais pas. Le grand public, il ne les connaît pas. Et quand il vient sur la Fox pour regarder une série, tout ça, il ne le voit pas. Donc, pour lui, il voit juste des méchants qu'il va retrouver plus tard. On parle beaucoup des personnages secondaires qui font peut-être l'essence un peu de la série. Mais par rapport aux personnages principaux, Ben McKenzie et Donald Logg, est-ce que vous pensez qu'ils font le travail, Alexandre? Bah oui. Enfin, Ben McKenzie, il n'était pas aussi exceptionnel qu'il l'était dans Southland. Enfin,
Alors James Gordon, il est plutôt bien. Il y a un rapport mentor-élève avec son partenaire qui fonctionne plutôt bien. Après, il faut voir la série, voir comment elle va maturer un peu, quoi. Pour l'instant, on a 3 épisodes au moment où on enregistre, c'est un peu tôt, quoi. Mais je suis assez confiant. Et finalement, introduire Bruce Wayne, est-ce que c'est utile finalement? Je pense que c'est utile pour façonner James Gordon. Parce que, donc, c'est l'acte fondateur. Comme Alexandre le dit, il y a le côté élève-mentor avec Donald Logue, mais il y a aussi le côté mentor-élève avec Bruce Wayne. Donc je pense que c'est assez important. Après, le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas qu'il développe Bruce Wayne un peu trop rapidement, s'il devient Batman beaucoup plus tard. Je pense qu'il a 15 ans avant de devenir... Là, il commence un peu à chercher ses limites. Dans le dernier épisode, il regardait comment se défendre ou comment attaquer en tant que vigilante. Donc il faut qu'il fasse attention à ça et pas trop le développer. Attends, on n'est pas à l'abri de time jump dans la série, à mon avis. Je pense qu'on va en bouffer si la série dure. Est-ce que ça va pas servir aussi de fil rouge à la saison pour le meurtre de ses parents? Le fil rouge, c'est censé... Oui, forcément. Oui, voilà. Enfin, en même temps, le fil rouge, c'est censé être la naissance du pingouin. C'est pas censé être l'arche autour de... C'est ça. À mon avis, ça c'est l'arche sur l'ensemble de la série. À mon avis, je pense que tout sera connecté de toute façon. Ils arrivent à connecter toutes les intrigues. Ils ont lancé plusieurs pistes dès le pilote et ils arrivent à les connecter peu à peu dans les épisodes. Parce que moi par exemple, j'ai vu que les deux premiers pour l'instant et c'est vraiment le personnage du pingouin qui va me faire continuer la série, je pense. Alors que Bruce Wayne, gamin, pour l'instant, j'arrive pas à voir l'intérêt et j'ai l'impression que les scènes très courtes qu'il a justement avec Ben McKenzie. J'ai l'impression qu'ils les mettent là parce que, bah oui, au départ, la série, c'est ça. Donc pour vous, Gotham, à voir. Ouais. Oui, ouais. Nouveauté à voir. Bah, on si passe. Vous... Oui. Ouais, j'allais dire, sinon, revenons à une autre série qui apparemment a marqué ce début de rentrée, How to Get Away with Murder, un coup de cœur. Oui, alors, moi, j'étais pas Shonda Rhimes, époque Grey's Anatomy, Private Practice. Alex Randall, elle a commencé déjà parce qu'elle s'est complètement décomplexée dans sa façon de raconter les histoires, ça m'a plu. Et là, malgré le fait qu'elle a quand même allègrement pompé sur Damages, saison 1, elle a quand même un show qui est efficace, addictif. Ah, attention, c'est pas créé par Shonda Rhimes. Non. Produit. Par rapport à Scandal et Grey's. Tout à fait. Mais c'est quand même la nouvelle série de Shonda Rhimes qui s'insère dans une soirée entièrement consacrée à ces séries. Et quand même, la série est très, très, très inspirée de Damages. La structure narrative des premiers épisodes avec... les deux timelines qui se rejoignent, c'est la saison 1 de Damages. Quoi. Donc, C'est vrai que le pilote a l'air très très riche, très très complet, mais finalement quand on creuse un peu, ça raconte vraiment pas grand chose. Enfin, moi c'était un peu mon ressenti. Et je me demande si justement les gens ne se sont pas trouvés un peu intelligents à aimer ce pilote et à se dire bah, on va regarder parce que ça va nous rendre intelligents. En quoi c'est vraiment intelligent? J'ai l'impression que c'est un peu boursouflé qu'on nous dit, voilà, c'est super compliqué, il y a des flashbacks qui sont pas super compliqués, mais avec une intrigue assez riche, on donne l'impression que c'est riche, avec beaucoup de personnages, et finalement, voilà, on donne peut-être trop d'indices aux téléspectateurs. Enfin, moi, je trouve personnellement que... Peut-être qu'on leur en donne trop pour ensuite faire un gros plot twist. Après, j'ai pas vu la suite. Je pense que c'est ça, à mon avis, on va avoir des twists. Des twists à peut-être tous les 3-4 épisodes pour nous réintégrer dans le récit. Après, je trouve pas que ce soit vraiment si simple que ça. C'est juste. Je trouve ça bien écrit, je trouve ça ultra rythmé. Je pense que c'est assez efficace pour. Je suis d'accord, c'est rythmé et en même temps c'est formaté parce qu'il y a quand même un peu le cas de la semaine, l'affaire juridique qui vont résoudre. Alors contrairement à ce qu'on voit habituellement, c'est que ça reste quand même un peu malsain, quoi. Elle va pas défendre l'honnête citoyen, voilà, c'est toujours, toujours un peu limite. Et il y a toujours le cas de la semaine et à côté il y a le meurtre, donc voilà, donc un peu la série c'est un flashback au final puisque voilà. Il cache le corps et donc après c'est 3 mois plus tôt je crois. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comment ils vont arriver à ça. Donc je pense que c'est ça qui fait tenir. Surtout qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a arrivé aux 3 mois, on fait quoi après? Qu'est-ce qu'on raconte? On reprend la même structure avec un autre cas pour la saison 2. Je sais pas ce qu'on fait, quoi. Après les personnages m'ont pas énormément plu. Même l'héroïne, la prof juge, m'a pas non plus. J'ai trouvé qu'elle en faisait beaucoup trop.
Alors, je sais pas si les personnages vont vraiment m'intéresser plus que ça. Non, mais déjà, elle se met pas à pleurer avec ses lèvres qui bougent comme Olivia Pope dans Scandale, ça me plaît. Enfin, rien que pour ça. Il y a une scène dans le pilote où. C'est limite, hein. Et donc, pour vous, donc, une nouveauté aussi à voir, ça a très bien marché aux États-Unis, ça se stabilise à peu près. Donc, pour vous, c'est à voir. Ouais. Surtout que finalement ça s'inscrit super bien dans la soirée Shonda Rhimes. Parce que Grey's Anatomy, Scandal, et pour moi c'est une suite logique. En plus ça pousse les deux autres séries vers le haut aussi. Donc, on passe à ce que tu n'as pas aimé à la rentrée. Il y a beaucoup de choses. Blackish. Non mais Blackish, mais de manière générale, les sitcoms qui ne sont pas les rom-coms, c'est-à-dire les comédies romantiques, celles-là m'ont un peu plus. M'ont pas convaincu, mais en même temps je ne suis pas spécialement un bon public. De ces sitcoms-là, donc de manière générale, c'est parce que je préfère la télévision, donc voilà, je suis pas forcément le meilleur ambassadeur. Après, il y a des séries qui sont. On parlait de Forever qui. Je suis pas sûr que Forever soit une série qui vraiment déchire à ce point-là, je pense que c'est juste une série extrêmement calibrée. Oui, c'est une espèce de Elementary nouvelle c'est génération. C'est un show qui va. Je pense que ce qui déchire les séries Vore, vraiment en disant que c'est nul, c'est Mystery of Flora. Le grand disque noir américain. Je ne peux pas oser. Non mais voilà, ça c'est. Bah, voilà, moi, j'ai préféré m'éviter. Scorpion aussi, Scorpion n'a pas eu forcément de très bons éloges. Ouais, mais ça c'était facile que la critique aime pas donc. Oh, bah, il y avait de quoi en même temps. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait marrer. Ah. Ouais, ça m'a fait marrer aussi, c'est pas parce que c'est le but. Je pense que c'est une série qui est complètement décomplexée, enfin, elle l'assume. Voilà, ça même avant la scène, la fameuse scène de l'avion et du câble RJ45, c'était assez léger même avant, il y avait du bourg, c'était. Donc oui, je pense que c'est une série qui s'amuse sur une serveuse qui te termine serveuse et qui maintenant devient consultante sur le monde. La scène de l'avion, oui, m'a choqué, ils en faisaient un peu trop, mais limite c'est plus le rapprochement express entre les deux personnages. Au début de l'épisode, ils se connaissent pas, elle est serveuse, et à la fin, ça allait beaucoup trop vite. Ouais. Ouais, ils ne font pas dans la subtilité. Quoi. C'est pas fait pour. Mais ça marche. Ça, exactement. 14 millions, je ne m'y attendais pas. Quand même. Oui. Ah. Ouais. Une autre série qui a fait aussi un bon score d'audience pour son lancement, c'est The Flash. Petit mot. Bah oui, pour la CW, c'est très bien. Ah oui, c'est le deuxième meilleur démarrage, je crois, après le pilote de The Vampire Diaries. Donc, faux spin-off d'Arrow. Pensé. Moi, en tant que grande fan de la chaîne CW, j'étais obligée de regarder. Après, je pense que la série est portée par un bon acteur. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a juste ce petit moment où il y a le crossover Flash Arrow où ils ont un peu trop sorti les violons et c'était un peu trop. Mais c'est un joli clin d'œil. C'est un joli clin d'œil et les fans vont apprécier. Mais enfin, à partir du moment où on a déjà fait entre guillemets, un espèce de backdoor pilote dans Arrow, c'est pas la peine d'en rajouter une couche en refaisant un clin d'œil. C'était pas la peine, mais je pense que c'était utile pour peut-être attirer ou faire parler du pilote un peu. Mais attention, si tous les clins d'œil sont comme ça, ça va faire un clin d'œil à la Angel Buffy, c'est-à-dire que des clins d'œil, des crossovers qui servent à rien en première saison, et au bout d'un moment, ils les annulent parce que ça plombe l'une des deux séries. Faut voir. Ça dépend dans quel niveau ils vont. Je crois que c'est prévu, je sais plus pour quel épisode, mais il y a Felicity qui devrait revenir. Il y a aussi un des ennemis. Ce qui est joué par Robert Nepper, je crois qu'il va apparaître dans la première saison de The Flash. Est-ce que les deux univers ne sont pas si semblables que ça? Non, je pense pas. Je pense que Arrow, c'est plus sombre pour la CW. Flash n'a pas vraiment Flash, besoin d'Arrow. C'est un peu plus léger. Après, je pense que ça s'inscrit dans le même univers de toute façon. Après, au niveau du ton, ça se différencie assez pour pas qu'il y ait de redites. C'est surtout qu'on est dans deux univers, il y en a un qui est réaliste et l'autre qui est surnaturel. Ça me rappelle un peu, alors toute proportion gardée, ça me rappelle un peu le choix qui est fait. C'est toujours, je trouve que c'est compliqué de faire deux univers, deux séries spin-off qui cohabitent dans un univers qui est complètement différent. Flash, Arrow, c'est comme quand la ABC Family avait tenté de lancer un spin-off à Pretty Little Liars en faisant un truc qui était fantastique, gothique. Ravenswood, ça ne peut pas fonctionner parce que forcément, ils vivent dans un temps qui est censé être le même. Voilà. Et ça ne marche pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce que justement dans Flash, ce qui va être intéressant, c'est de voir quels méchants ils vont nous amener. Et justement, on va avoir ce côté surnaturel qu'on n'a pas dans Arrow. Mais alors du coup, comment ils vont faire que communiquer les deux? Ouais. Ah, dans Flash, le truc, c'est qu'ils risquent de pas de bloquer les personnes qui aiment Arrow. Mais s'ils font apparaître les plus grands ennemis de Flash, il y aura normalement un gorille géant qui parle. Donc,
comment ils vont intégrer ça et comment ça va faire par rapport à l'univers d'Arrow. Mais est-ce qu'on va avoir un Smallville bis ou un Arrow bis? Je pense pas qu'on aura un Smallville bis. Ah non, il a déjà son costume déjà. Tranquille. Je pense qu'ils vont pas faire un Smallville bis. Ceci dit, il a pas tort parce que c'est vrai qu'il y a quand même la kryptonite dans Smallville et là c'est l'usine qui explose et qui crée des super méchants. Donc, après, le point de départ, le schéma est à peu près le même. À peu près le même, ouais. Mais après, je pense qu'ils vont utiliser des Le truc, c'est que pour Smallville, c'était la jeunesse de Superman, donc les ennemis de Superman qu'on connaît, ils étaient pas forcément encore là. La Flash, c'est. Il y avait l'Excutor quand même, mais il y a d'autres ennemis. Mais est-ce qu'ils sont aussi connus que les méchants qu'on a dans Gotham, par exemple? Non, les Flash, c'est un des moins connus de super-héros, par exemple. Donc les ennemis sont pas, ils sont forcément moins connus que le reste. Mais il y a déjà pas un bestiaire, mais il y a déjà un vivier de super méchants qui peuvent apparaître. Pourquoi ça marche? J'imagine que c'est aussi une série un peu plus adulte que Smallville, en tout cas. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Oui, là, je le trouve très gentil parce que le gamin expert scientifique alors qu'il a le visage d'un adolescent prépubère, si tu veux. Ça c'est pas de ta faute. Il y a un problème de crédibilité sur le truc. Après, c'est efficace. Pourquoi ça marche? Parce que c'est efficace. Pourquoi Scorpion marche? Des fois, il y a des alchimies qui se créent, on sait pas pourquoi. Mais est-ce que les méchants de Flash sont aussi intéressants que les méchants dans Gotham? Parce que c'est ça un peu qui. Enfin, Gotham ça a attiré les gens, mais pour Flash, on connaît pas vraiment les méchants. On connaît pas les méchants, c'est pour ça que ça peut. Je pense que ça peut attirer le public pour un effet de curiosité, en fait. Il y aura l'élément de surprise. Oui, c'est ça. Mais qui connaissait les méchants de Arrow? Personne. Ouais, les fans. Les fans, mais c'est tout. Et je pense que ça, justement, c'est peut-être justement un moins gros handicap que de les connaître. Parce que les connaître, on se fait une a priori sur ce qu'ils ont été. Pourtant, on les connaît pas, on est tranquille. Mais Arrow a quand même été une série qui, finalement, a été une bonne surprise. Est-ce que Flash peut être une bonne surprise? Ou simplement juste un honnête divertissement? Je pense qu'avec, sans spoiler, avec la fin du dernier épisode, je pense qu'ils sont assez ambitieux dans l'histoire vers laquelle ils veulent aller. Donc je pense que ça peut être une très bonne surprise. Alexandre Ferrigamas. Ouais, c'est quand même... Ambitieux, la CW. Si, non, mais je ne serais pas aussi cliché que de dire que la CW ne peut pas être ambitieuse, mais on le voit avec Supernatural, des choses comme ça. Mais non, mais surtout que la fin, attention mon Dieu, il y a des univers parallèles, attention mon Dieu, il y a des méchants qui ont été créés. C'est le truc qui a été déjà vu plein de fois, notamment dans Smallville. Je trouvais que ce qui s'était passé sur Arrow était beaucoup plus porteur, potentiellement, et surtout beaucoup plus mystérieux. Là, on se dit qu'on va voir arriver le méchant modifié par l'explosion de la centrale toutes les semaines, et puis qu'il va y avoir l'arc avec la mort de sa mère. Voilà, c'est pour... bon, je pense que ça va être un bon divertissement, mais la série adulte, non. Est-ce que ça peut durer 10 saisons comme Supernatural et Smallville? Oui, je pense. L'univers du comics, il est infini, donc je pense qu'il y a matière à faire beaucoup de saisons. Ouais. Il y a matière, mais après, voilà, ça va dépendre de comment ils évoluent, les personnages. Supernatural, ce qui tient la série, c'est quand même le duo emblématique. Et dans Arrow, je ne sais pas si on trouvait vraiment des relations. The Flash. Pardon. Dans The Flash. Oui, là-dessus, c'est intéressant. The Flash, je ne sais pas s'ils vont réussir à développer une relation qui sera vraiment au centre de tous les épisodes et qui fera durer aussi longtemps. Puis qui aurait cru que Supernatural et Smallville dureraient 10 ans? Personne. Non, puis même aujourd'hui, quelle saison qui se lance maintenant va durer 10 saisons? Pas beaucoup. Pas beaucoup. On passe aux comédies romantiques, puisqu'on en a eu quand même 3 qui sont arrivés avec Selfie, avec Manhattan Love Story et A2Z. Alors, est-ce que vos cœurs de midinette, je parle pas aux filles, mais je parle aux messieurs, est-ce qu'Alexandre, tu as été séduit par l'une des 3 comédies? A2Z. A2Z. Je trouve que c'est celle où le couple fonctionne le mieux. Moi, je suis pas fan de toutes les comédies romantiques, mais quand une comédie romantique me plaît, c'est parce que il y a une identification des mecs pour le couple et les filles peuvent aussi s'identifier, enfin entre guillemets se projeter, voilà. Donc et là je trouve que ça fonctionne bien. On peut s'imaginer à la place de, enfin vouloir être le mec pour être avec la fille et inversement. Enfin l'histoire est mignonne, elle est pas révolutionnaire mais elle est mignonne, donc ça marche bien. C'était la bonne idée de prendre la mère de How I Met? Non, c'est une bonne idée d'avoir pris cette comédienne, mais la mère, pas la mère. Je suis même pas sûr que la plupart des gens vont faire attention. C'était la mère de How I Met, quoi. Donc, non. Moi je suis d'accord pour A2Z. Il y a une belle alchimie entre les deux acteurs, les deux personnages. Au contraire, Manhattan Love Story, qui part à peu près sur le même principe, deux personnes qui ne se connaissent pas et qui essaient de construire une relation, ça ne marche pas du tout. On sent la relation forcée, on sent même l'alchimie entre les deux acteurs forcée. Le premier épisode, il était sympathique.
Le deuxième épisode, beaucoup moins. Du coup, j'accroche beaucoup plus à A to Z que à Manhattan Love Story. C'était le concept, je crois, du premier épisode de Manhattan, c'était de se forcer à se rencontrer, c'est ça, c'est ça. Mais moi, le problème, c'est qu'on le sent beaucoup trop et on sent que c'est trop forcé dans l'écriture, même au niveau des deux acteurs, il n'y a pas vraiment de belle alchimie. Finalement, les personnages, on ne les connaît pas vraiment, on les force à les mettre ensemble. Alors qu'A to Z, il y a une vraie introduction des deux personnages. Ce qui est paradoxal dans Manhattan Love Story, tu dis qu'on les connaît pas assez, pourtant on entend leur pensée. Oui, alors ça, déjà une voix off c'est saoulant, mais alors voilà, trois, c'est ça. Il y a deux voix off pendant les 20 minutes du truc et on les connaît pas forcément. Je pense que c'est raté à ce niveau-là. Est-ce que la voix off est trop ou est-ce que c'est le concept qui faille? Je pense que c'est. Je pense que sans voix off, ça aurait marché ou pas? Non. Pour moi, ça aurait pas marché. Moi, en fait, sans voix off, il n'y a pas d'intérêt au final dans la série. C'est vrai. Parce que c'est deux personnes qui se rencontrent, qui essaient de se mettre ensemble. C'est du vu et revu dans plusieurs films, dans plusieurs séries. C'est mignon. Le concept, c'est la voix off, sauf que c'est surtout pas drôle. Quoi. Voilà. Surtout. Alors, moi, je pense qu'il faut leur laisser le temps aussi. Hein. Faut leur laisser mais ils n'ont pas le temps, là, vu l'audience. Là, faut... Ouais, mais le problème, c'est que je pense qu'au début, ils en ont beaucoup fait pour qu'on ressente bien cette voix off et qu'on comprenne que oui, c'était le concept. Peut-être qu'après ça va s'étoffer, je sais pas, ils vont peut-être le garder pour des bons moments. Moi, je trouve que les deux séries ont chacune leur atout. Et A to Z, je trouve que c'est surtout le. Enfin, j'espère qu'ils vont rester sur ce concept-là, c'est de dire on sait que la relation a une date de fin. Donc, ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit, bon, ils vont pas nous faire durer ça trop longtemps et on va vraiment voir l'évolution et le déclin de la relation. Donc, espérons qu'ils vont rester là-dessus. Et Manhattan Love Story. Moi, la voix off ne m'a pas dérangé plus que ça. Et après, le fait qu'il n'y ait pas d'alchimie, est-ce que c'est peut-être pas forcé au départ pour qu'on sente que l'alchimie se construit, enfin... Mais l'alchimie, elle s'est construite dans une série. Moi, ça me fait penser à une autre série, mais une série anglaise, qui est Dates. Mm-hmm. L'alchimie, quand tu as l'épisode avec Una Chaplin qui arrive, a priori, c'est donc deux personnages qui n'ont rien à voir ensemble. Elle est détestable pendant 10 minutes, et pendant les 10 minutes derrière, le couple, on a envie qu'il fonctionne. Et ça fonctionne dès le premier épisode de Dates. Voilà. Ce qui ne fonctionne pas ici, malheureusement. C'est ça, on n'a pas forcément envie qu'ils se mettent. Ouais. Sur Selfie, elle est détestable dès le début, voilà. Et elle le restera, je pense. Bah justement, ils vont faire en sorte qu'elle s'améliore. Oui. Bon, après, le charme de Karen fait le reste, mais... C'est pas Selfie, je l'ai vu deux fois, le pilote. Voilà, la première fois, je me suis dit que c'était un peu surfait, un peu... Je sais pas, mais... Et la deuxième fois, j'ai trouvé un peu un capital sympathie assez bon pour les deux personnages, donc John Cho et Karen Gillan, c'est ça? Gillian. Et j'ai trouvé la chimie qui était plutôt pas mal. Bon, après, voilà, le concept en lui-même de Selfie, je trouve qu'il est déjà démodé dès le début. On a tout misé sur les réseaux sociaux. On voit dès le début que c'est, ça y va avec les gimmicks d'Instagram, Facebook. Alors que Manhattan Love Story, on parle aussi des réseaux sociaux, mais... On essaie de faire des gags là-dessus qui ne marchent pas du tout. Alors que A to Z, je trouve que... Ouais, déjà qu'ils sont dans deux immeubles face à face, déjà, je trouve que la communication, voilà, passe... Enfin, le gimmick passe mieux. Et surtout, ce que je reproche un peu à A to Z, c'est que ça se rapproche vraiment du schéma où I met, c'est-à-dire qu'on a une finalité. On tend vers cette finalité et... Est-ce que ça ne va pas perdre le téléspectateur en se disant, voilà, c'est... Mais c'est la finalité de vous dire, dans 8 mois, c'est fini. Ce n'est pas la finalité de vous dire, dans 30 ans, on sera marié. Donc, c'est on se dit potentiellement, il y a une promesse faite au spectateur de se dire, on n'est pas parti pour faire un truc qui va traîner. Après, c'est casse-gueule, parce que vu que les audiences sont assez catastrophiques, au final, on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Non. Ça n'arrivera jamais jusqu'au 26e épisode. On ne sait pas, peut-être que... Surprise, peut-être qu'ils vont finir. Vous voyez NBC rajouter 9 épisodes ou 10 à ce qui a déjà été commandé au vu des audiences. Ou racheté par... Tout est possible. Ouais. Et ils ont déjà fait des durées d'essai qui faisaient encore moins. Donc je pense que ça ne durera pas 9 saisons comme un remake, c'est sûr. S'ils pouvaient au moins nous finir la saison pour qu'on voit la fin du couple. Ouais. Ah oui, c'est déjà ça. Autant la fin du couple de Manhattan, on s'en fout. Ouais. Mais non, on s'en fout fin, pas, arrêtez. Comme le début. Hein, comme le début. Non, mais ils sont trop bien les acteurs. Non, exactement. Non, ils s'en foutent. Selfie, on s'en fout aussi de ce qu'elle va devenir. Pas vu. Je vais me faire des ennemis, mais je suis pas fan de Karen Gillan, donc et la série m'intéresse pas, donc pour moi non.
Pas forcément, en tout cas, moi, j'ai pas envie de... Le pilote m'a suffi et j'ai pas envie de voir la suite. Donc à retenir, E2Z. Le reste, c'est divertissant, mais rien de, génial. Bon, deux mots, chacun. Vous pouvez nous dire les séries qu'il y a à retenir pour cette rentrée et celles qu'au contraire, vous avez détestées et qui, si elles sont annulées, c'est pas grave. Alexandre ? Bon, je maintiendrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Gotham et How I Met à retenir. How to Get Away, c'est presque pareil. How to Get Away with Murder. Et puis à éjecter, bon, la possibilité alors The Mysteries of Laura. Voilà, ça sert à rien. Aurélie ? À éliminer Mulaney, qui n'est pas drôle, donc je vois pas l'intérêt de la continuer. Ça sert à rien de vouloir faire du buzz sur les auteurs de Saturday Night Live si ça fait un flop comme ça. Après, en bonne série, bah, How to Get Away with Murder, mais je m'y attendais déjà. Et sinon, personnellement, j'ai bien aimé Red Band Society, même si j'aurais peut-être pas de fin de saison. Romain ? Je vais dire comme Alexandre, une série éliminée, ce serait The Mysteries of Laura, c'est inutile comme série. Ensuite, dans les séries que j'ai beaucoup aimées, donc il y a Gotham, How to Get Away with Murder, et dans les comédies, Blackish. Et ton avis, Tom ? Alors, j'aimerais bien virer Mulaney, que j'appellerai Nulaney. parce que personne ne regarde, ça intéresse personne, ça fait rire personne, donc autant le virer. Et ça fera de mal à personne. Et je garderai bien Forever, parce que j'aime beaucoup le. Enfin, Formula Show, bon, va être un peu. Va s'étirer en longueur, mais je trouve que le concept et le fil rouge est assez intéressant. L'acteur principal est plutôt bon. Et je trouve que le pilote était vraiment très très sympathique. Avec très belles promesses. Bon, après, voilà, ça risque de peut-être pas durer, mais je trouve que si la mythologie avance, ça peut quand même donner une bonne petite série très sympa. Et pour ma part, c'est les sitcoms en général que j'ai pas aimé, donc si elles pouvaient toutes être annulées, ça me dérangerait pas. Sinon, dans les coups de cœur, hormis The Flash et How to Get Away with Murder, qu'on a déjà parlé, j'ai beaucoup aimé aussi Red Band Society. J'ai trouvé ça très sympa. Ça rentre pas dans le pathos, c'est léger, même si on parle d'un sujet quand même assez, assez dramatique. Et aussi The Affair, on l'a pas évoqué, mais The Affair est un gros coup de cœur et j'espère qu'on aura l'occasion de l'évoquer dans d'autres numéros. Sale causeur, épisode pilote, c'est terminé. On remercie Elodie, Romain et Aurélie d'avoir été parmi nous. Et on remercie aussi Alexandre d'avoir été le parrain d'émission. Un plaisir. On remercie aussi le bar-restaurant Le 9e Ciel, situé dans le 9e à Paris. Et je laisse la parole à Elodie. Et moi, je vous laisse en charmante compagnie pour le mot de la fin. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission et à nous suivre avec le hashtag SerialCauseur. Et je vous dis à bientôt et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Et la suite au prochain épisode, comme c'est original. Please, Mr. Gordon. Let me live. I'll do whatever you say. I'll be your slave for life. Listen to me. There's a war coming. A terrible war. Falcone is losing its grip and his rivals are hungry. There will be chaos. Rivers of blood in the streets. I know it. I can see it coming. I'm clever that way. And I can help you. I can be a spy. Shut up! Turn around. God's sake, have mercy. Don't ever come back to Gotham. Pour ce premier épisode de l'épisode, nous allons parler bien sûr de la rentrée de série. Et pour nous introduire à cette piste. On parle beaucoup du pingouin, mais par rapport aux autres acteurs, par exemple Ben McKenzie, ce que vous avez trouvé. C'est pas loin, c'est une question. On remercie le 9e ciel, Paris 9e, de nous avoir accueillis sur ce lieu. Et on vous dit. Merci, à bientôt, je sais pas. Oui, la scène, je sais pas, parce que j'ai c'est vrai. C'est un causeur.
Vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire maintenant. C'est ça. Tu sais ce que tu dois dire après ou ouais, ouais, c'est bon, c'est juste au cas où qu'on se fasse pas penser. Coupé. Parfait. Bravo tout le monde. C'était bien.